Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, le vlog du week-end. Donc on est vendredi après-midi, il est un peu plus de 16h30. Eléane vient de rentrer, enfin non, elle est rentrée il y a déjà 20 minutes, hein, voilà. Donc aujourd'hui, bah, elle a eu une journée plutôt cool, parce que ce matin, elle partait à l'escalade avec sa classe, et cet après-midi, elle allait visiter un musée, donc toute la journée, elle n'était pas à l'école, voilà. Mais bon, c'était bien, les sorties scolaires, elle en a fait pas mal, je trouve, cette année, donc voilà, c'est bien. Bon, Louis, il n'a toujours pas école, hein, depuis 2 semaines, là, donc j'espère que la semaine prochaine, ça va se rétablir, hein, qu'ils nous trouveront une remplaçante ou que la maîtresse reviendra. Je pense qu'elle devrait revenir, normalement. Je sais pas. On devrait avoir un mail dans pas longtemps, je pense. Voilà. Voilà, donc là, alors là, ce week-end, donc on attaque les travaux des chambres de Eliane et de Louis. Voilà, donc Louis qui se cache les yeux, là. Voilà, donc au niveau travaux, donc on fait l'électricité. Bon, ça c'est Christophe qui va le faire, évidemment. Et ensuite, bah, tout ce qui est mur, plafond, donc peinture, nettoyage et tout. Enfin voilà. Voilà, on refait pas le parquet parce que le parquet il est propre, il est en bon état, donc on refait pas. Et voilà. Donc, ben, je vous montrerai un petit peu les travaux. Voilà, sachant que moi, bon bah je vais pas peindre, je vais pas faire l'électricité, hein, on est d'accord. J'y connais rien. Donc je vais aider Christophe à détapisser la chambre d'Eléane, parce que celle d'Eléane a de la tapisserie. On va peut-être faire aussi une partie du couloir entre leurs deux chambres. Donc là, je crois que là aussi c'est de la tapisserie, je sais plus, il me semble. Je sais plus. Donc là, moi je vais faire le détapissage, voilà. On vient de goûter avec les garçons, donc là on a mangé brioche tranchée avec de la confiture de myrtille, un yaourt à la vanille et une pomme, voilà. Voilà, donc là, Eliane, elle a goûté, elle est déjà en train de geeker, voilà, c'est le week-end, hein, donc voilà. Les deux garçons sont là, Nathan, il m'a fait une grosse sieste cet après-midi, donc voilà. Par contre, il a été réveillé par Eliane, qui a sonné en revenant, donc du coup, il n'est pas en très bonne... il n'est pas très bien luné, on va dire, voilà. Voilà, là, il y a Gabriel, hein, qui est là, ça se trouve, c'est maintenant qu'il va dormir, lui. Ils sont en train de regarder Peppa Pig, là, voilà. Et Louis, il est sur YouTube aussi, voilà. Et puis, donc, demain aussi, on essaiera de cette fois, de ne pas se faire avoir et d'aller à la piscine. Voilà, donc on ira demain matin pour être sûr de pouvoir y aller, quoi. Parce que demain après-midi, on va attaquer les travaux. Donc, du coup, on ira demain matin. Ça ouvre à 11h. Donc, bah, on ira vers 11h. Et puis, voilà. Bon, j'étais en train de regarder les familles nombreuses. Et là, d'un coup, écran noir. Plus rien. Ordinateur pareil qui s'est arrêté et qui s'est rallumé. Par contre, la télé, j'arrive pas à la faire revenir. Je sais pas ce que... Je sais pas. Je pense que c'est une mini coupure de courant, mais pourtant non, on a pas eu de coup. Enfin, je sais pas, la lumière est restée, donc voilà. Donc je sais pas, ça doit venir d'un branchement, je pense. Mais bon, j'y connais rien, donc on va attendre que Christophe rentre. Comme par hasard, il est d'après-midi, donc du coup, bah, je pourrais pas regarder mes familles nombreuses. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, mais voilà, c'est bizarre. Bon, bah du coup, je suis en train de préparer le repas de ce soir. Bah, ça va être tout simple, hein. Ça va être des cannellonis que je fais réchauffer au four. Voilà, 10 minutes à 210, et voilà, avec un peu de fromage râpé dessus, et voilà. Qu'est-ce que c'est la boîte, Gabriel? Pas ça!
Voilà, on a mangé et Christophe vient juste de rentrer du boulot. Là, il est un peu plus de 20h30. Il était d'après-midi cette semaine et d'astreinte. Voilà. Donc là, on est en train de faire un Monopoly avec Eliane et Louis. Donc moi, je suis en équipe avec Louis contre Eliane pour l'instant. Bon, Christophe, il n'aime pas trop ce jeu, donc je pense pas qu'il nous rejoigne. Eliane, elle découvre, je crois, parce que on avait un Monopoly Junior, mais il est complètement, il est pas complet en fait, donc du coup on peut plus trop jouer. Voilà, donc du coup là j'ai sorti le vrai Monopoly qui date de très longtemps, et donc là on est en train de jouer à ça. Voilà. Non. Qu'est-ce que vous faites? Ma famille à la niche. Salut à tous, on se retrouve, on est samedi matin. Oh là là, il y a une lumière bizarre là. Voilà. Il est 10h20. Je rigole parce qu'il y a Christian qui se fout de moi parce que tout à l'heure j'ai fait une story sur Instagram et pour regarder l'heure j'ai pris le téléphone dans la main où il y avait la montre et du coup bah, ça a fait une espèce de truc bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc là c'est bon, j'ai le téléphone dans la bonne main, je peux regarder l'heure, voilà. Donc il est 10h20, les deux grands dorment encore, les petits sont réveillés, moi je me suis levée vers 8h30 ce matin, 9h moins le quart même, voilà. On a déjeuné, voilà. Là je vais pas tarder d'aller réveiller Léane et Louis. Bon ça y est, les deux grands sont réveillés, voilà, ils ont déjeuné. Là je vais attaquer un petit peu, faire un petit peu de ménage dans la cuisine. Faire tourner à la vaisselle, nettoyer les plans de travail, voilà. Le sol aussi, voilà. Je passerai un petit coup d'aspirateur dans la dans cette pièce, voilà, dans notre grande pièce, quoi. Ranger un peu les jouets, et puis voilà, déjà ce matin, on va faire ça. Christophe, donc, il est parti faire... il est parti acheter ce qu'il faut pour le détapissage. Bon, je ne me demandais pas ce que c'est, je n'y connais rien. Jamais fait ça de ma vie, moi. Donc, voilà. Donc, il est parti chercher un produit, apparemment, pour pouvoir détapisser cet après-midi. Voilà. Voilà, donc là, Eliane, elle vient de faire ses devoirs. Louis, il avait encore des devoirs à faire. Il a encore deux ou trois fiches à faire. Mais je les ferai demain matin. J'ai pas envie d'y faire maintenant, là. Donc... voilà, je les imprimerai et on continuera, on finira ces petits devoirs là, voilà. J'espère qu'il va retourner quand même à l'école lundi parce que bon, ça fait deux semaines quoi, donc j'espère que la maîtresse va revenir, on verra ça. Donc là Christophe est rentré, il est en train de démonter les lits d'Eliane et de Louis. Parce que, donc, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup, ils vont dormir dans la chambre des jumeaux. Donc, du coup, bah, pour être plus à l'aise pour faire les travaux, ils démontent les lits. Voilà, donc là, ils sont en train de le faire avec Eliane. Voilà, moi, je viens de faire une commande sur le site de Zara pour les quatre enfants. Voilà, donc, je vous montrerai ça quand elle sera arrivée. Ça sera dans la semaine, hein, donc je vous montrerai soit sur le vlog de mercredi, soit sur le vlog du week-end prochain. On verra bien. J'ai aussi commandé une petite déco pour soit la cheminée, soit notre étagère là-bas. Là-bas. Voilà. Donc, enfin, l'étagère, je pense pas que ça tienne. C'est un petit arrosoir en fait doré. Il est trop mignon. Voilà. Et donc j'ai commandé ça donc, sur le site de H&M Home. Voilà, il n'était pas très cher, 30 euros, donc ça va. Ou alors je le mettrai peut-être sur la cheminée, sur notre cheminée. Voilà, à voir, on verra. Voilà, donc là je vais aller préparer le repas de midi, ça va être des pâtes, tout simple. Eh bien, il est midi et demi, et j'avais pas vu, mais Gabriel s'est endormi sur le canapé. Donc je vous remontre pour la dernière fois la chambre d'Eliane, comme elle est. Voilà. Donc là, on a enlevé le lit. Voilà. Donc là, ils vont... Ça résonne. Donc là, ils vont dormir dans la chambre. Ils vont dormir dans la chambre. Je vais y arriver. Et pour la dernière fois, la chambre de Louis. Voilà. Ce ne sera plus de cette couleur.
Voilà, donc là on est en milieu d'après-midi, donc Eliane elle vient de partir avec une copine en trottinette faire le tour du quartier, là comme elle fait des temps en temps. Louis et les deux garçons ont joué un petit moment dehors. Voilà, et là donc c'est parti, je suis à l'étage avec Christophe et c'est parti pour les travaux. Voilà. Voilà, donc on a commencé à détapisser la chambre d'Eliane. Mais ça va tout seul, hein. La tapisserie est vraiment cool parce que c'était facile à enlever. On n'a pas tout enlevé encore, il y avait juste ce côté là, plus le côté du radiateur, ça je ne sais pas comment on fait. Donc je vais laisser faire Christophe, voilà. Voilà. Eh bien là, on est en fin de soirée. Je ne vous ai pas repris depuis l'apéro, mais donc là, j'ai terminé la série Made sur Netflix. C'était vraiment très bien, j'ai adoré, voilà. Et donc, j'ai attaqué une nouvelle série, c'est Mytho. M-Y-T-H-O, Mytho, voilà. Ça a l'air d'être marrant et ça a l'air d'être pas mal, voilà. On verra au fur et à mesure. Voilà, et donc là il est 23h30, donc je ne vais pas tarder d'aller me coucher, et voilà, et je vous retrouve demain. Rebonjour tout le monde, on se retrouve, on est dimanche matin, le matin bien entamé, il est déjà 10h30, je me suis levée il y a à peine une heure, voilà, donc grâce mat. Voilà, Louis vient de se réveiller, voilà, et donc là on a déjeuné, Christophe est déjà, c'est 10h30, hein. Christophe a attaqué les travaux dans la chambre là-haut, dans les chambres. Il est en train d'installer, je sais pas comment ça s'appelle, une protection pour protéger le parquet, pour pas qu'il y ait de peinture dessus. Voilà. Aujourd'hui ça va être travaux. Je pense que je vais l'aider un peu cet après-midi pour détapisser le couloir. Voilà, et puis voilà, en attendant ce matin je vais faire les devoirs à Louis là qu'on n'avait pas fait, il lui reste 2 ou 3 fiches à faire, donc je vais lui faire ce matin, voilà, et autrement je vais m'occuper bien sûr des enfants, hein, voilà, et puis je pense que Christophe cet après-midi aussi il installera ce qu'on avait acheté la semaine dernière, c'est-à-dire la maison pour les oiseaux, la lumière dehors et le miroir dans le WC du bas, quoi. Voilà, donc là-dessus il n'a pas eu le temps encore de le faire, donc on va essayer de le faire en début d'après-midi et puis voilà. Et voilà le miroir qu'on avait acheté la semaine dernière chez Castorama pour le WC du bas, voilà. Bon, il est 11h30, je vais attaquer à faire mon repas de midi. Donc, je vais déjà commencer par le dessert à faire au Thermomix. Ça va être une crème brûlée. Bon, elle ne sera pas totalement brûlée parce que je n'ai pas de truc pour faire le feu, là, le chalumeau, j'en ai pas. Donc, et puis de toute façon, je suis une peureuse du feu, enfin une phobique du feu. Donc, c'est hors de question que je me serve de ça. Donc, du coup, ce ne sera pas vraiment brûlé, mais bon... Ouais. C'est pas grave, ça fera une crème, hein, voilà. Donc je vais faire ça au Thermomix, je vais vous montrer la recette. Et le plat qu'on va manger à midi, ça va être des pâtes Alfredo. Donc je vous montrerai aussi un petit peu ce que c'est. Voilà. Donc j'attaque ma recette de la crème brûlée. Donc là, on fait préchauffer le four à 100 degrés. On met 250 g de lait. Alors normalement c'est du lait entier, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas vu sur la recette. Donc du coup, ce sera du lait normal, demi-écrémé. Voilà, j'espère que ça marchera quand même. On met un petit peu de gousse de vanille. Alors moi c'est de la vanille comme ça en poudre. Voilà, mais vous pouvez le faire avec la gousse de vanille entière. Voilà. On fait bouillir le tout pendant 5 minutes. On transvase la crème dans une assiette, comme ça, et on réserve. On met dans le bol du Thermomix 5 jaunes d'œufs. On met 70 g de sucre en poudre.
et on mélange pendant 10 secondes. On insère le fouet. On met 350 g de crème liquide entière et il faut qu'elle soit très froide, donc elle sort du frigo. Et on fouette pendant 15 secondes. On rajoute le lait tiédi de tout à l'heure. On fouette à nouveau pendant 20 secondes. On enlève le fouet. Et on répartit la crème donc dans des petits ramequins. Voilà. Et donc on enfourne pour 45 minutes à 100 degrés. Et voilà, ensuite j'ai mis la sauce Alfredo, ça s'appelle, donc une sorte de béchamel à la crème, fraîche, voilà. Donc dans les pâtes, et ensuite, ben voilà, on sert comme ça, voilà. Et voilà les crèmes brûlées qui sortent du four. Mais pour fixer le toit, encore faut-il choisir le bon matériel. Alors, on a bien mangé à midi, hein, voilà. Là, j'ai Gabriel qui dort sur moi, voilà. Donc cet après-midi, bah, Christophe va continuer les travaux dans les chambres. Ça va être ça pendant quelques week-ends, je pense, hein, voilà. Voilà, donc je vous montrerai peut-être ce soir. Mais bon, il n'y a peut-être pas trop de changements là aujourd'hui par rapport à hier, donc voilà. Voilà, et pardon. Et sinon, donc, on a décidé de se faire un petit week-end tous les 6 à la neige. Donc, ce sera début mars, normalement. Voilà, j'espère qu'il y aura encore de la neige. Voilà. Oh, normalement, oui, hein, on est en altitude. Il devrait encore y en avoir, je pense. Voilà. Donc, je vais regarder ça cet après-midi. Là, je vais regarder les hébergements, là. Et puis voilà, je pense que ce sera du côté Haute-Savoie ou Savoie, je ne sais pas encore, on va voir ce que je trouve. Et puis voilà, donc je vais regarder ça dans pas longtemps. Alors, il est 16h30, donc là, Christophe a terminé pour aujourd'hui les travaux. Il a nettoyé les plafonds des deux chambres, voilà. Voilà, donc là, cette semaine, et les murs, pardon. Donc on va continuer au fur et à mesure des jours, hein, je vous montrerai mercredi, voilà. Mais autrement, donc j'ai réservé un hôtel pour début mars, un week-end, donc tous les 6, à la neige, voilà. Donc ce sera à Sallanches normalement, voilà, donc c'est l'hôtel Ibis, hein, voilà, tout simple, pour une nuit, on va pas s'embêter, hein, voilà. Voilà, et donc j'ai acheté aussi sur le site de Decathlon 4 pantalons pour aller dans la neige, quoi, pour les enfants, voilà. Nous deux avec Christophe, de toute façon, on va mettre un legging et un autre pantalon par-dessus, et puis ça ira, parce que le prix des pantalons de neige pour femmes ou hommes, c'est hors de prix, quoi, donc non. Voilà, donc j'en ai au moins pris pour les enfants qui étaient à 15... Et j'ai aussi pris une luge pour les jumeaux et deux luges pour Eliane et Louis. Voilà, donc c'est cool, je suis contente parce que ça fait un moment qu'on n'est pas parti en plus. Donc du coup, ça nous fera du bien un petit peu. Je ne sais pas si on aura fini les travaux, hein, je pense pas. Mais c'est pas grave, ça nous fera une coupure et voilà. Donc je suis contente, voilà. Bon, ben voilà, fin de la journée, donc là j'ai donné la douche aux trois garçons, plus shampoing, et Léane pareil, elle est en train de faire ça aussi, voilà, et ce soir exceptionnellement on mangera pas, on fera pas un petit déj, mais on va manger des œufs à la coque, voilà, ça fait très très longtemps qu'on en a pas fait. Voilà, je sais même pas si on en a déjà fait à Léane, donc c'est pour vous dire que voilà. Donc voilà, enfin, on va manger ça avec du pain là, voilà. Ça fera un petit truc, quoi, voilà. Et puis voilà, donc là j'ai fait les menus et liste de courses de la semaine pour demain, voilà. Et puis voilà, donc là je vais vous laisser là sur ce vlog. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et partager. Et je vous retrouve normalement mercredi dans un nouveau vlog. Voilà, gros bisous, ciao.